Salut mec, qu'est-il arrivé à mon pauvre Trax, à Smax, c'est ben le pilote. Pilote n'était pas au point ce jour-là. On a mangé un arbre qui a coûté la vie à une jante. On n'en veut pas plus d'une quinzaine d'années cette pauvre jante. Et on est ensuite allé monter les Proline Badlands dessus. Sans les élargisseurs, on a un demi-offset, ça lui donnait un look qui me plaisait bien, et à la conduite, j'étais surpris de voir que c'était pas plus casse-gueule que ça. Mais, en roulant, on a eu une casse sur une suspension arrière, et je pense que ceci est dû au choc qu'on a pris, puisque c'est la jante avant droite qui a tapé, on a tapé avec tout le côté droit contre l'arbre, et ce qui s'est passé, c'est que on a flingué le petit filetage de 2,5 dedans, dans la tige d'amorto. Ceux-ci sont évidemment les amorto pas d'origine du Traxxas Max, qui sont extrêmement solides, ça faut le dire. Personne n'a pour l'instant eu de problème avec de suspension de Traxxas Max. La raison pour laquelle j'ai les hauts bas au-dessus, c'est parce que je voulais un peu plus de garde-sol et que je peux le faire facilement avec ça, tout en gardant un maximum de débattement. En mettant les piélettes saines sur les amorto du Max, vous garniez la garde-sol, mais pas de débattement. Moi, je voulais un peu plus. J'aime le débattement, je suis fan de Monster, c'est comme ça. Pour l'intérieur, vous n'avez peut-être pas encore vu, on a mis un servo d'origine sur l'avant, le vario complètement devant ici, ça n'empêche pas de monter la carreau. Le combo Arma 2050 kV avec le pignon d'origine, et là, je suis vraiment content de la machine comme elle. Franchement, ça me plaît. Pas besoin de mettre plus. Évidemment, ça tire un peu sur l'autonomie, on fait 5 kg. Sur un petit circuit, vous l'avez vu, ça va très bien. Sur un circuit plus grand, évidemment, ça va tirer plus. Donc la lipo, il faisait pas froid dehors, mais pas chaud non plus. Il y avait une dizaine de degrés. La lipo était déjà quand même chaude. Et donc, faire gaffe, on était toujours. À mon avis, ça va quand même tirer fort sur cette lipo. Mais ça, on verra cet été. Très probable que je descende le nombre de kV pour rester en 6S quand même. Parce que là, on était vraiment plus tranquille sur la température lipo. Moteur, ça allait bien, malgré qu'on n'ait pas de refroidisseur. Et on peut en mettre un, c'est pas un problème. Et dans le titre, il y a écrit « et ». Pour ceux qui ont fait attention, quand il y a écrit « et » dans le titre, c'est parce qu'il y a un petit jeu. Et aujourd'hui, je vais vous faire gagner la Kevin Mobile. Petit engin délirant, Subotec, S-U-B-O-T-K. Au cul, tu trouveras tout seul sur AliExpress. Et grande nouvelle, ça n'existe pas seulement avec cette carreau-là. Tu as cette carreau en rouge, cette carreau en jaune. Tu as une carreau de Truggy en bleu ou en jaune, je crois. Tu as une carreau de Monster Truck. Donc pick-up plus aussi de coloris. Et j'ai trouvé sur une autre page des Jeeps avec arceau et roue de secours. J'en ai pris 3 tout de suite pour moi, Gigi et le cornichon. Il y avait une promo, j'ai payé 40 euros la machine. Les versions standard coûtent 35-38. Donc ces machines existent toujours. Cette machine, Kevin me l'a ramenée, c'est son petit neveu qui roule avec lui. Moi, j'ai roulé pendant quoi? Ça fait combien de temps qu'elle traîne chez moi? Je crois un an ou deux. J'ai roulé, voilà, chaque fois que j'étais coincé, j'avais pas trop de place, je roulais avec cette petite machine. De temps en temps, j'étais là dans l'atelier en train de bosser. Des fois, t'as envie de décrocher un petit peu de ce que tu fais, t'as pas le temps de sortir rouler, il fait dégueu, ou tu sais que tu vas dégueulasser les machines. J'ai balancé les batteries, je faisais mes petits tours ici. Donc elle a roulé, 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 roulé. Elle est toujours intacte. On a des cardans CVD plastoc. Les noix en plastoc. Vous l'avez vu rouler dans le tout-terrain, là où le mini T-Losi a du mal, sans problème. Évidemment, c'est une suspension pneumatique. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas d'amorto. Je pense qu'il est possible de trouver des petits amorto comme ça hydrauliques, parce que si on trouve ça, c'est le bonheur pur. Pourquoi? C'est pas moi qui veux le dire, c'est vous qui allez me le dire. Pour gagner cette machine, les mecs, n'oubliez pas, hein, avant de répondre, d'attendre que je vous donne le titre nécessaire pour gagner, parce que sinon, c'est raté. One shot. C'est la nouvelle règle du garage. Si t'écris, t'as pas fait ce qu'on t'a demandé, c'est réglé pour toi, c'est trop tard. Évidemment, il y a la radio avec. Vous la connaissez, cette petite radio d'Eclipsat. C'est pas la radio d'origine, on a mis une autre parce qu'on avait un problème avec le régulateur de vitesse. Mais là, ça a été fait. Hop.
Le chargeur, évidemment, qui va avec, qui se branche sur USB. Voilà, ça, c'est plus un problème de nos jours. Tout le monde a ça maintenant, tout doucement. Ça se répand de plus en plus. T'as sur ton PC ou t'as un adaptateur 220 qui se rend comme ça en USB. T'en as dans les voitures, etc. Seule chose qui me manque, soit je vais réussir à mettre la main dessus avant de vous l'envoyer, c'est le petit clip ici pour maintenir la deuxième batterie. Sinon, ben, ma foi, tu auras un élastique ou un velcro autour. Ça dérange pas plus que ça. On a essayé, ça fonctionne. Cet engin a 4 cardans. Je me trompe pas. Non, il a 2 CVD, 2 dogbones à l'arrière. Caron Alexan qui a tout subi et qui est toujours entière parce que l'engin ne pèse rien. Ce sont les roues et les jantes d'origine, rien à part le vario, et ça c'est moi parce que j'avais trop insisté, n'a lâché. Moteur charbon, l'arbre central de transmission principale est en ferraille quand même. J'ai jamais dégoupillé ici les rotules ni rien. Il y a plusieurs points d'ancrage des amorteaux en plus, c'est délirant. Donc on a mis le petit vario charbon d'humidité, on a gardé le moteur d'origine. Ça marche à merveille, ça coupe tout seul aussi, c'est du lithium-ion. Peux vous garantir que vous allez régaler avec cette machine. Les pneus sont les copies des pneus du Traxxas Summit, tout simplement. Je vais refixer évidemment aussi le support carreau, vous en faites pas. Et pour gagner cette machine, il faut que tu me dises qu'est-ce que j'ai découvert dernièrement au sujet de cette machine qui m'a éclaté et que je ne savais pas. Pour gagner cette machine, tu vas m'envoyer un mail. Subotech. Donc, objet du mail, Subotech. Si ton objet de mail n'est pas Subotech, écrit comme tu as envie. Raté pour le concours. J'ai laissé passer certains sur les premiers concours parce que voilà, c'est vrai que tu fais des réponses en mail que je t'ai déjà écrit ou n'importe, mais du coup c'est trop compliqué. Les mecs, mettez-moi objet Subotech dans le mail, vous mettez votre nom et la réponse. Qu'est-ce que j'ai découvert dernièrement sur cette machine qui m'a fait délirer et qui explique que cette machine est si bien à conduire et si durable. Les nouvelles versions que j'ai commandées, d'après le descriptif, paraîtrait même que c'est du brushless, mais je suis pas sûr, ça je verrai uniquement quand je les aurai là et je vous le dirai. En tout cas, nous trois, on va s'éclater avec ces machines et le futur propriétaire de celle-ci aussi. Et n'hésite pas, si tu as le budget, si tu as une quarantaine, une cinquantaine d'euros et tu as envie de te faire plaisir avec une machine et que tu n'as pas un carrelage tout à fait lisse, si tu as un carrelage tout à fait lisse, tu t'achètes la petite VL Toy version rallye. Un 24e ou un 28e, je préconise la 1,24, elle est quand même plus de cette taille-là, c'est plus sympa, les suspensions sont mieux, elle est plus performante, plus endurante. La petite version est un peu plus chiante parce qu'on a une espèce de frein automatique marche avant-arrière qui faut s'habituer, il faut rester un peu sur les gaz quand tu lâches, faut pas lâcher complètement pour bien profiter de la machine. Et si tu as un sol un peu plus défoncé, il te faut ça, ou si tu roules ça, parce que vous avez vu, ça roule dehors, c'est génial. C'est géant. Et là, en fait, j'ai un gros doute. Parce que je vous fais ce jeu-là, mais je crois que je l'ai déjà fait en vous demandant autre chose. Pas grave. Au pire, vous ne verrez pas cette vidéo. Et si elle sort quand même, eh ben, tant pis, je l'aurai plus. Ah, c'est ça quand t'es blond et que t'en fais trop. À un moment, ça va plus. Tu sais plus où t'habites. C'est le moment de s'arrêter. Salut.